Voilà. D'ailleurs, il pleut assez solide hein, ici, hein, on voit plus rien. Alors, monter sur notre selle, faire le tour, essayer de trouver plus de bois, plus de matériel. Voilà. Tiens, ici un peu de bois. Est-ce que je peux juste le ramasser comme ça? Je pense que oui. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Voilà. C'est pas l'idéal, mais au moins, ça fait un peu de. Ça fait un peu de nourriture. Là, en plus, on le voit manger tranquillement. Il n'y a pas de souci. Il mange pas un super gros rythme. Alors, ça, c'est tant mieux. En plus, c'est surtout que je l'épuise en même temps parce que je suis lourd sur lui. Voilà. Ok, ça, c'est détruit. Il va continuer le long de la côte. Voilà, une autre viande pourrie. Il va nous en falloir beaucoup de narcoberry là sur le coup pour faire tout ce qu'on a besoin. Voilà, continuez tranquillement. Ah, j'ai cru qu'il était trop lourd pendant une seconde. Oh, il a un petit peu de torpeur d'ailleurs qui monte. Quand il tape les arbres pour trop longtemps, il a la torpeur qui va monter. Et là, il y a plus de. Là, il est épuisé un peu par contre. Voilà, donc il va manger, je suppose, un peu plus vite. Voilà, il a tout récupéré, c'est correct. Je sais pas si les flèches en fait, est-ce qu'elles sont lourdes? Poids, l'arbre, l'arc est pas lourd, mais les flèches, quand même assez lourdes. Point 2 chacune. C'est pas ce qu'on va dire le plus léger. Voilà, on va finir de ramasser ça tranquillement. Quelques silex pour les flèches. Hop, allez, un peu plus, j'aimerais s'il te plaît. Voilà, on va dire que c'est correct. On va juste remonter là-dessus. Réparer ça. Voilà. C'est quoi cette espèce de lueur verte qui est apparue? C'est comme si le soleil était apparu d'un seul coup. Assez étrange. D'habitude, en fait, où j'allais, voilà, ce que je vous parlais au début, hein, l'espèce d'endroit au Piranha, c'était ici, en fait. Voilà. C'était juste en face de l'autre côté. Et on voit, hein, encore là-bas. Mon ancienne petite cabane. On pourra aller lui jeter un coup d'œil. On va juste retourner à notre dino, s'assurer voilà, qu'il se réveille pas. Ça serait un peu bête. Mais alors on va lui donner quelques narcos sur le coup. Et ensuite on pourra aller jeter un coup d'œil là-bas. Normalement les piranhas ne nous dérangeront plus. Puisqu'on a une monture. Voilà. C'est quand même utile d'avoir une monture. En espérant, parce que si on meurt. Parce que pour finir ça marchait pas. La monture suffit pas ou quoi que ce soit. Ou qu'ils n'ont pas peur parce qu'ils sont trop nombreux. Là, je vais être triste un peu. Voilà, on va lui donner deux narcos. Ouais, mange bien, amuse-toi. Voilà, l'inconscient va monter super vite. Il sera bientôt prêt. Bon, je dis bientôt, pas tout à fait bientôt, mais à un moment donné. D'ailleurs, il y a aussi mon corps qui était de l'autre côté de la rivière, hein, qu'on pourrait théoriquement aller chercher. Par contre, je suis pas mal certain qu'il est décomposé maintenant. Donc, on pourrait plus grand. Voilà, c'est un peu plus loin quand même. Et si je me souviens bien, c'est qu'en fait, quand tu apparaissais sur cette île ici, hop, d'ailleurs du bois, hop, voilà, quand tu apparais sur cette île ici, en fait, hop, je vais pas descendre. Le seul truc que je vais me faire, ah, des flèches, ah, je peux pas, j'ai pas de branchage, ok. D'ailleurs, non, je devrais en avoir du branchage, en fait, c'est ma monture qui en a plein. Mais quand on apparaissait ici, en fait, ce que je faisais, c'est que je traversais directement la nage de l'autre côté. Mais en fait, le truc, c'est que de ce côté-là, il y a une tonne de piranhas, voilà, ici aussi. Mais si tu vas un petit peu plus loin, il n'y en a pas. Voilà, tout simplement. Donc là, normalement, nous, il n'y a pas de souci, je pense. On peut traverser. Voilà. On peut traverser. Ouais, là, les piranhas, je les vois même pas. Ils ont pas l'air intéressés spécialement à vouloir nous attaquer. Par contre, il faut faire attention. Là, je sais qu'il y a un gros croco. Là, je sais qu'il y a un gros croco quelque part. Voilà, il est de l'autre côté, là. Je pense, hein, je suis pas sûr. Est-ce que c'est un croco ça? Ouais, c'est un croco. Et voilà, ma petite cabane initiale, on va dire. Voilà. Et là, j'avais un parasaur et un dodo. Bon, on peut voir qu'ils sont morts. Il est en train de manger le sol, ok. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a quand même pas mal de trucs. On va dire tout récupérer sauf le charbon. Ouais, je sais que je suis encombré, t'inquiète. Voilà.
115 de charbon. Viens ici, Sid. Attends, juste qu'est-ce que je peux lâcher devant? Pierre sans bois, c'est assez lourd. Jeter. Est-ce que je suis encore trop lourd? Poids, je suis encore trop lourd, mais. Ah voilà, je peux bouger. Très lentement. Il faut pas qu'il y ait de créatures ennemies là. Alors là, on va juste le voir. Par contre, je pense qu'il va pas trop aimer avoir à supporter tout ça. Hop, accéder à l'inventaire. Ouais, son poids est encore très correct. Donc, prends les baies. Tout ce qui a rapport avec ça. D'ailleurs, la viande, je devrais lui donner. Même s'il la mange pas en tant que telle. La viande, pourquoi tu veux pas te stacker là? Ok, on va dire ça. Voilà, parce que là, j'en ai assez de cru, on va dire. Prends tout ce qui est lourd. J'ai largement assez de tout ça. Voilà. Ça, je vais le manger. Ça aussi. Donc, il commence à être bien chargé. La viande, comme ça aussi, j'aimerais la garder. Donc, garde-la comme ça. Je vais ramasser ce bois-là. On peut voir ça ici. Normalement, je peux le toucher et faire détruire. Voilà. Et ça détruit aussi le coffre parce que le coffre était dessus. Et voilà. Donc, ça, c'est nettoyé. D'ailleurs, je suis encore trop lourd. Donc je vais te donner mon bois. Tiens. Alors, il commence à être lourd. Mais normalement là il n'y a pas. Ah non, il veut pas me laisser monter par contre. Voilà. Non, c'est bon. Il veut me laisser monter. Je sais pas pourquoi il voulait pas. D'ailleurs, j'étais mort de l'autre côté. Presque sur l'autre rive la dernière fois. À juste essayer voilà, de traverser à nage. En fait, je courais. Et j'essayais d'y arriver à temps. Mais ça marchait pas vraiment. Donc voilà. Là on va aller de l'autre côté tranquillement. Par contre, il n'a pas l'air de vouloir courir. Ça, c'est pas question maintenant. Je pense qu'il est assez chargé pour ça. Ouais. On voit son poids en fait. Son poids est presque à capacité maximale. Oh, palaï, cours. J'ai pas envie que tu meurs. Non, d'accord, les piranhas, eux. Ouais, t'es une monture, pas de soucis. Hein. Bon, il va finir par abandonner parce que là, on va ressortir de l'eau. Mais tout de même. Ok. Pas génial tout ça. D'accord, ils attaquent quand même. C'est juste qu'en tant que tel, ta monture est normalement plus résistant, donc peut-être qu'ils ont attaqué parce qu'on était trop chargé, qu'on peut plus sprinter là, bah, plus vraiment sprinter parce qu'on est vraiment proche de la limite de poids, peut-être, je sais pas exactement, faudra voir tout ça. Là il va être épuisé dans 2 secondes, on va là, juste avancer plus lentement. Ouais, il récupère bien vite en plus, c'est bon. On va finir d'aller de l'autre côté. En fait, on a juste récupéré pas mal de matériel que j'avais avant, qu'on va pouvoir mettre hein, d'ailleurs sur le sur cet autre, le tricé, quand on voudra. Alors, allez hop, un autre. Voilà, il continue à manger tranquillement, c'est pas de souci avec ça. Alors, qu'est-ce que. Accéder à l'inventaire. T'as vraiment juste une méjoberry. On va lui donner ça alors. Tiens, il est narco. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça, on va dire. Déjà ça, narco, parce que là il y en a plus. D'ailleurs, on va dire forcer l'utilisation beaucoup, 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 beaucoup. Donc là, il faut que ça se dépêche, hein, l'approvisionnement là. Voilà. Ok, ouais, fini de manger tout ça. Voir, il peut supporter beaucoup plus de poids, c'est quand même l'avantage. Allez, l'inconscient remonte encore tranquillement. Pas aussi vite qu'avec du narco, mais voilà, c'est déjà ça. Je sais pas si je peux lui forcer l'utilisation à manger de la viande comme ça, non, je pense pas. En tout cas, ça, l'inconscient devrait suffire, et voilà, l'approvisionnement va finir de monter. On aura un petit niveau supplémentaire, c'est pas énorme, mais c'est pas grave. Et voilà, 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 ils seront prêts à rentrer à la base. J'aurai pas de sel encore pour lui, par contre, mais au moins déjà, il pourra porter assez gros. Et ça c'est bien. Ça c'est même très bien qu'il puisse voilà, quand même porter un bon poids. Oups là, je voulais pas te taper. Voilà, tu t'es réveillé. On va l'appeler Tritri. Voilà, je suis. Voilà, je fais des noms très très recherchés. Alors je peux pas l'équiper d'une selle encore. Par contre, la pierre, des trucs du genre, je te l'offre. Alors, attaquer la cible, activer la promenade en train de me suivre, d'accord. Par contre, je veux que tu sois. En neutre, voilà, comportement en neutre, et toi tu es en passif normalement. Voilà, donc là normalement, voilà,
espérant qu'il puisse nous suivre. Ok, c'est bon. Voilà, on a Tri-Tri. On a Cid. C'est bon, on est parti. Allez. Tu suis, j'espère, hein. Voilà, si c'est pas beau, ça. Si c'est pas beau. Alors, est-ce qu'il suit? Ouais, il suit bien, en plus, il court. Oh, c'était quoi ce bruit, hein? Ah, il suit même plutôt bien, en plus. Il suit plutôt bien. Voilà. Donc, on va continuer par là, tranquillement. On rentre à la maison. On a réussi à avoir, quand même, aujourd'hui, c'est pas mal. On a réussi à avoir notre Triceratops. On a réussi à avoir un, je sais même plus comment il s'appelle, ces dinosaures, les parasaures, voilà. Et on avait notre arg qu'on avait déjà, qui était un petit dilo, un dilosaure, un truc du genre, voilà, quelque chose de pas très très puissant. Mais c'est pas grave, on a tout ce qu'il nous faut. Est-ce qu'il suit encore? Voilà, pas de souci, il suit bien, ok. Hop, une petite tortue, je sais pas si ça serait bien d'avoir une tortue. Tant que tel, je suppose que ça va être pas mal. Ah, oh, il court bien, il court bien. Voilà. On dirait que parce qu'il est plus gros, il arrive quand même à monter par-dessus les obstacles. Un petit dodo. Ok, il suit tranquillement. On va remonter de ce côté-là. Il y a un petit plateau. Il y a pas mal de dodos par ici. On va faire le tour par ici, tiens. On va faire le tour par ici. Juste le moment où je regarde pas, il arrive plus à suivre. Allez, cours. Cours. Voilà. Bon. Parfait. Pas de soucis en fait. Aucun souci. On va rentrer à base, tout va être détruit, mais voilà. Au moins de ce côté-là, ça sera bon. De ce côté-là, ça sera bon. Allez. Hop. Tranquillement. Ici au moins on sait qu'il n'y a pas vraiment grand chose de méchant. Voilà, notre arc est encore là. Et tout, voilà, rien n'a bougé, c'est parfait. Même pas notre arg, il restait encore puni. Bon, par contre, là, on a. Ouais, notre Tri-Tri qui est coincé. Allez, hop, viens ici, toi. Je sais qu'il y a beaucoup de petites roches, mais quand même, t'es capable de suivre. Hop, allez, on fait des super longs sauts. Champion du saut en longueur. Alors, c'est bien, maintenant on va désactiver suivre, t'as plus besoin de me suivre. Est-ce que je peux activer... Désactiver la récolte de ressources. Permettre la récolte de ressources. Je sais qu'il faut que je mette une selle, hein. Ça j'ai bien compris, à chaque fois il le rappelle, mais bon. Change la distance de suivi. Ah ok. Ok, ça c'est bon, accéder à l'inventaire, il y a pas mal de baies. D'ici, non, je vais pas monter sur toi, mais tu devrais aussi avoir pas mal de baies. Est-ce que je vais te prendre ta viande sur le coup un petit peu quand même? Ok, toute la viande de poisson aussi, la pierre, tout ça, c'est pas, t'en as pas besoin. Voilà, c'est pas à toi. Hop, viande avariée, c'est pas bon pour toi. Les graines, on va les récupérer. Donc il te reste pas grand chose en tant que tel en termes de baies. Ah non, c'est trop loin. L'inventaire est trop chargé, oui je sais. Ok. Hop. Jeter devant, voilà. Et là normalement, ah voilà, là j'arrive à bouger. Voilà, ok. Donc on va aller là dessus, par contre il n'y a pas une tonne de place. Est-ce que je peux cuire plus de viande par contre? Ah, de la viande. Ça faisait longtemps que je n'en ai pas eu. Ouais, plus de viande à cuire. Il y a eu deux viandes avariées quand même. Ça. Ah, trop de viande avariée dans ce jeu. Allez. Voilà. Ici. Pourquoi on a plein de lunettes? Ça me sert à rien. Lunettes pour dino. Ok, on récupère la viande avariée pour l'instant. Pas que ça soit spécialement utile, hein, mais voilà. Ok, est-ce qu'on peut poser aussi le bois ou la pierre? Ramasser, et on va reposer ça ici. Ouais, non, lui j'ai pas réussi à le mettre par contre. Et on va se faire donc je pense un autre coffre.
Une autre petite zone de stockage, donc il nous faut de la fibre. Entendu, tu veux pas le mettre si je suis pas comme ça. Donc, boîte de stockage, on va juste aller à côté en fait. Qu'est-ce qu'il fait? Des fois, tu te poses des questions sur ce qu'ils font, tes dinosaures. Utiliser. Boum. À peu près comme ça. Voilà. Ensuite. Qu'est-ce que je vais mettre là-dedans? Je vais mettre du bois, du charbon, tout ce que j'ai encore sur moi. Hop, la fibre, la viande avariée, je vais la mettre là pour l'instant. Poisson, quoique non, ces viandes-là, il faut que je les garde sur des animaux. Même en fait, ma viande avariée, il faut que je la garde sur des animaux. Parce que sinon, je pourrais pas le... Je pourrais pas... Voilà, à moitié. Ah, j'ai pris un niveau d'ailleurs. Sinon... elle va, bon, en fait, elle va juste partir plus vite et ça sera pas utile. Énergie, tiens. Voilà. Qu'est-ce que je peux débloquer de plus? Pas grand-chose. Le radeau serait peut-être intéressant à débloquer. La selle de raptor aussi bientôt, je pense. Puis on pourra avoir quelques raptors. Ça sera pas pire. Est-ce qu'il... Je sais pas s'il récolte lui. J'ai pas l'impression. Je sais pas s'il faudrait le mettre proche des zones là-bas pour récolter. Je vais pas monter sur toi. Ouais, lui aussi pareil. Activer la promenade. Prêt pour l'accouplement, d'accord. Activer la promenade. Pas que je m'attende à ce qu'ils se reproduisent entre eux. Mais au moins comme ça, peut-être qu'ils vont aller chercher leurs propres ressources. Et ça, c'est pas pire. Voilà, ils bougent tranquillement. Ouais, peut-être que je leur fasse un enclos aussi. Ah, j'ai eu de la viande pourrie aussi. Arg. Toi, tu vas faire activer la promenade. Toi, tu es en mode... T'es en mode comment, là? Comportement passif. Je veux pas que tu sois passif. Je veux que tu sois neutre. Hop, on va faire... Alors, il faut faire agressif d'abord et ensuite neutre. Voilà. Comme ça, les trois peuvent se promener. J'espère qu'ils vont pas aller trop loin, quand même. Pas le goût qui meurt. Voilà, et normalement là ils doivent tranquillement, ils doivent ramasser de la nourriture. Supposément, puisqu'ils ont l'activation de ressources, l'activation ramassage de nourriture. Voilà. Alors j'aimerais bien voir les petits buissons disparaître pour en être sûr, mais bon. Honnêtement, j'espère qu'ils se feront pas manger, j'espère normalement ils devraient s'entraider aussi, s'ils se font attaquer. Donc j'ai plein de viande avariée, ça c'est génial. Et j'ai oublié de leur redonner la viande. Je vais le donner au tri-tri, tiens. Celui qui a le plus de vie, donc je suppose que s'il y en a un qui doit survivre, c'est lui. 450, je croyais y avoir eu 4500, ça aurait été énorme. Ok, voilà. D'ailleurs, petit tri-tri, t'as des niveaux à améliorer toi. Alors je vais t'améliorer dans le poids. Voilà, t'es content. Ouais, t'es super content. D'accord, d'accord. Ici, est-ce que j'aurais de la nourriture que j'aurais possible? Ouais. Voilà, la viande de poisson, je me doutais que j'en avais plus. Là, ils sont... Ouais, il faut commencer à aller loin quand même. Parce que j'aime pas trop. Mais bon, on va les laisser faire. Hein. Quand il y aura un accident, au pire, on les... on réduira leur zone. Mais pour l'instant, c'est pas très grave. Normalement, il n'y a absolument aucun danger sur une bonne distance autour. Normalement, je dis bien. C'est sûr que s'il y avait... je sais pas, un cro-cro ou quelque chose du genre plus loin, ça serait pas génial, mais pour l'instant c'est correct. Voilà. Quelques petites baies. Toi, est-ce que t'as encore assez à manger, d'ailleurs? Ça serait bien. Non, je veux pas changer ton nom. Reste. Non, c'est pas ça que je veux faire. À chaque fois j'essaye de cliquer trop vite. Ah ah. Voilà. Arrête de bouger. Il devra arrêter de bouger quand je suis à côté de lui. Voilà. Une autre viande avariée. Hop. Reste là 2 secondes. Voilà. Plus de viande avariée. D'ailleurs, c'est, je pense que c'est l'autre dino. Il est passé où? À part le tri-tri qui reste à côté. Alors, je me demande, est-ce qu'ils font des dégâts aux structures quand ils restent à côté? Bon, ça a l'air bon. C'est étonnant, mais ils font pas de dégâts. Ok, mon parasaur est loin là-bas.
Et il s'amuse, hein. Oh, tu peux pas partir aussi loin. C'est pas, je veux dire, à un moment donné, là, la promenade. Promenade, c'est pas sur... Il va falloir leur faire un enclos, je pense. Quelque chose du genre. Parce que là, pour l'instant, ils partent... ils partent à l'infini, en fait. Alors. Attends. Désactive la promenade. Arrête de bouger. Et t'as plus de baies rouges. Baies noires. Les baies noires, je pense qu'il restait, c'était sur lui. Okay, il restait, ouais, il en restait pas beaucoup. Hop, allez. Ok. Alors, toi. On peut pas leur donner une distance limite. La portée sur. Sur faible. Je sais pas si c'est ça que ça va changer. Ouais, lui, on va lui mettre aussi à portée sur faible, peut-être. Peut-être que c'est juste ça. Activer la promenade. Régler la portée sur faible. Ok. Ouais. Je sais pas où est parti notre petit dino de chasse sur le coup par contre. Où est-ce qu'il serait parti? Aucune idée. Aucune idée. C'est peut-être lui là-bas. Je suis prêt à parier que c'est lui là-bas. Voilà. Arg. Il commence à être loin, on va dire. Il commence à être loin. C'est bien, ils reviennent. Hein. Ils restent juste dans un périmètre, je pense, autour. Hop. Non, ça, c'est la distance de suivi. La portée. Voilà. Qu'ils aillent pas aussi loin qu'avant. Voilà. J'ai l'impression qu'ils vont moins loin. Voilà. Hop. Oh, pas là. Gros caca. Activer la promenade. 1,5 kg. C'est lui, la promenade est activée, mais il va pas très loin. Donc ça, c'est correct. Voilà. Ça, on va dire que c'est correct. Oh, mon petit chat qui arrive. D'ailleurs, on va arrêter le live dans quelques minutes sur le coup. Ça aura fait 2h30, donc 5 petits épisodes pour YouTube. C'est pas si pire. J'ai pas testé l'arc et les flèches pour finir, par contre. Faudra aller le tester, tiens, vite fait. Tac, tac, tac. D'ailleurs, histoire d'être un peu plus rapide. Voilà, mon petit chat qui veut des caresses. Histoire d'être un peu plus rapide. On va monter. Et on va aller faire un petit tour. Voilà. Oui, oui, petit chat. Deux minutes, hein. Allez. On va faire un petit tour. Essayer de trouver juste une petite bestiole à tuer. Voilà, deux, trois petites flèches, là. C'est sûr que pour tuer un petit animal, ça coûte cher, mais... Juste tester l'efficacité en fait. Voir est-ce que ça vaut le coup l'arc et les flèches. Tout simplement. Est-ce que j'ai vraiment un nouveau niveau disponible? Non. Je sais pas pourquoi ils arrêtent pas de m'écrire ça, mais j'en ai pas vraiment. En tout cas, si on se promène un peu par là. Qu'est-ce qu'on va avoir? Hop. Hop. Gros caca, c'est bon. Ils n'arrêtent pas de manger. Oh, moi j'ai presque plus d'eau d'ailleurs. Va falloir se ressourcer. Bon ben je trouve pas grand chose. Ah, une tortue. Ouais, bon, c'est plate, c'est tirer une tortue, mais. Hop. C'est super lente. Mais bon, si je peux avoir un peu de nourriture avec une tortue. Ouais. J'aurais préféré tirer dans la tête, mais voilà. Abréger ses souffrances un petit peu. Ah, par contre, l'arc, il a l'air de se casser assez vite. Par contre. Là, pour l'instant, la tortue, elle tient bien. Ouais, dernière flèche. Non, 15 flèches, c'est pas suffisant. On va passer à la prochaine arme. Hein. Voilà, il manquait pas grand chose. On va dire ça comme ça, il manquait vraiment, vraiment pas grand chose. Non.
Non. Non. Il était juste là. Ah, c'est toi. C'est toi qui l'as tué. Ah, ils sont deux. Ils sont deux. Ah. J'aurais pas dû le laisser en mode exploration. Si des morts. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Allez. Petite vermine. Venez vous battre maintenant que je suis loin. Ah, ils viennent encore, hein. Ah ouais. Et là, j'ai plus de flèches. Non, j'ai encore des flèches. Allez. Allez, toi t'es mort. Ah le salaud. Ah le salaud. Le pire c'est que ça fait mal tout ça là. Je suis presque mort. On va rentrer, hein. Pas question d'affronter le deuxième là. Je suis vraiment à deux doigts de la mort. On va manger, tiens, un peu de viande encore. Ah, c'est énervant par contre. On a eu notre tri-tri, mais par contre on a perdu notre parasaur. Ouais, tout ça pour tester des flèches. Ouais, c'est fini, hein. Le mode promenade, là, c'est un test, mais là, ça marche pas. On va aller boire un petit peu. Voilà. Ok. Bon, c'est un peu énervant parce que... Est-ce qu'il y avait grand-chose sur lui? Non, le tri-tri, c'est sur lui que j'ai mis le plus gros, on va dire. C'est juste dommage, en fait, je reçois pas de message quand il se fait attaquer ou quoi que ce soit. Toi, ici. Désactive la promenade. Toi, t'arrêtes. Non, 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 arrête de bouger. Je lui tire sifflement suivre. Et tu me suis? En train de suivre Athéna? Non, t'as pas l'air de suivre. Allez, voilà. Suis un peu. Voilà. Rapproche-toi, rapproche-toi, rapproche-toi. Ça me dérange pas de perdre Arg. Alors lui, il peut rester en exploration. Au pire, je pense qu'il est capable de se défendre. Et maintenant, on va faire désactiver le suivre. Voilà, arrête de bouger. Bon. C'est un peu dommage sur le coup parce que voilà, c'est un peu bête comme mort, mais on peut pas y faire grand chose. Il va falloir s'en trouver un nouveau ou attendre d'être niveau 20 pour pouvoir monter sur le tri-tri. Un des deux, je pense que je vais essayer d'en trouver un nouveau, c'est pas trop dur à trouver. Mais c'est juste un peu énervant. Voilà, c'est juste un peu énervant qu'il soit mort comme ça. Hop, plus de nourriture, parfait. Voilà, du charbon, tout ça. Sinon, on n'a pas perdu grand-chose, c'est pas la fin du monde, mais voilà. Donc, on va arrêter sur ce le live ici. J'espère que vous l'aurez apprécié comme toujours. Ouais, j'espère que ce jeu vous intéresse. Hein, si vous voulez rejoindre d'ailleurs, si vous voulez rejoindre la partie ou voilà, faire du multi avec moi sur Ark, dites-le moi, ça me fera plaisir. Parce que voilà, en solo c'est bien, mais je suis sûr qu'en multi c'est pas mal plus intéressant. Il y a pas mal plus de possibilités. Voilà. Bon. En tout cas, voilà. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis sur ce à la prochaine. Bye bye.